insensé est l'homme qui répond avant d'avoir bien écouté, avant d'avoir bien compris. Car selon la Bible, Proverbe chapitre 18, verset 13, l'homme qui répond avant d'avoir bien écouté s'attire toute confusion. Nos chers co-débatteurs de Supmanagement sont confus et nous allons vous le prouver. Honorable assistant, chers membres du jury, chers co-débatteurs, bonjour. Conformément à l'article 27 du Code des personnes et de la famille du 30 décembre 2011 au Mali, je m'appelle Seydou Balo, étudiant en fin de cursus option histoire archéologie. Vous venez d'écouter un discours exagéré, récupéré, aggravé, perverti et respectif, emprunté à des journalistes qui cherchent des lecteurs et qui font pleurer la parole. Au nom de toute l'assistance ici présente, permettez-moi de cesser ces larmes tout en vous proposant une élucidation lexique de certains termes du sujet afin de mieux l'aborder. Pour le mot conflit, il dérive du latin conflictus qui lui-même dérive de confligere qui veut dire RT, opposé. Mais quand on se réfère à la Rousse 2014, à la page 167, il se définit comme étant une opposition d'opinion, d'intérêt, de sentiment entre deux pays, des États ou intra-étatiques. Efficace, du latin efficax, qui veut dire produire son effet, ou en d'autres termes, dont l'action aboutit à des résultats utiles. Et cette information se trouve à la page 168 de la Rousse 2014. Et enfin, l'Union africaine, qui est une organisation d'États africains créée en 2002, à Durban. Maintenant que l'élucidation lexicale est faite, intéressons-nous à celle historique, car jusqu'à preuve du contraire, toute chose a commencé dans le passé. Honorable assistant, cher membre du jury, la première tentative d'union politique en Afrique fut celle de trois États ouest africains, à savoir le Ghana, la Guinée et le Mali dans les années 1960 avec comme nom Union des États africains, qui malheureusement prit fin en 1962 lorsque la Guinée s'est rapprochée des États-Unis sans respecter l'opinion de ses partenaires socialistes. En 1963, précisément le 25 mai, fut créé l'ancêtre de l'Union africaine, entendu par la Organisation de l'Unité africaine, qui par fini a été transformée en Union africaine dont le traité portant sa création fut signé le 11 juillet 2000 à Dubaï. Mais bien avant 2000, c'est-à-dire en septembre 1999, précisément le 9, fut signé la déclaration de Sirte, une déclaration qui fixa les objectifs de la création d'une Union africaine. Mais il faudra attendre jusqu'au 9 juillet 2002, soit deux ans après la signature de son traité constitutif, pour que l'Union africaine substitue à l'Organisation de l'Unité africaine, et un an plus tard, c'est-à-dire en juillet 2003, au sommet de Maputo, où on assista à la mise en place de certaines de ces institutions, telles que l'Autorité de l'Union africaine, le Parlement panafricain ou encore le Conseil de paix et de sécurité. Actuellement, l'Union africaine comprend 54 États membres, soit tous les pays d'Afrique, excepté le Maroc et les territoires africains occupés par l'Espagne, le Portugal, la France ou encore le Royaume-Uni. Elle s'étend sur une superficie de 29 922 059 km² avec 24 165 km de côte estimée en 2011 sur une population à 967 810 000 habitants. Honorable assistant, chef membre du jury, Malcolm X, en dénonçant la ségrégation raciale aux États-Unis, a été assassiné. Martin Luther King, en dénonçant la ségrégation raciale aux États-Unis, a été assassiné. Rosa Parks, en refusant de céder sa place dans le bus à un blanc, a été emprisonné. Nelson Mandela, en s'opposant à l'apartheid, a été emprisonné. J'espère que mes coéquipiers et moi ne subirons pas le même sort pour avoir démontré l'inefficacité de la contribution de l'Union africaine dans la résolution des conflits en Afrique. Parce que nous sommes dans un monde où la subjectivité commence à prendre dessus sur l'objectivité. Mais de toutes les façons, quel que soit le prix, d'après Mouraben Baïga, capitaine de l'équipe nationale de débatteurs du Mali, notre équipe ne ménagera aucun effort pour vous prouver que la contribution de l'Union africaine dans la résolution des conflits en Afrique n'a jamais été efficace. Et nous le ferons de manière objective afin que pour l'assistance des membres du jury, co-débatteurs, même si Mohamed Kone rejoint notre position sans contestation ni réfutation. Je vous remercie.